Il va recevoir tous ses amis, supporters parisiens, supporters parisiennes, supporters de Benfica, supporters d'autres clubs, amoureuses, amoureux du football. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc avant de passer en mieux, j'ai mon commentaire et on est tranquille. On n'est pas très 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 tranquille. Hein. C'est pas ouf, mais au moins on a réussi à avoir au moins un point. On a réussi juste à avoir un point, donc c'était ça l'objectif. Heureusement, on n'a pas perdu parce qu'aujourd'hui, on va parler des choses que jamais, que on n'a pas défensivement. On va parler de la défense. C'est pas bon. On va parler de la défense bientôt, dans quelques secondes. Donc aujourd'hui, on fait 1-1. On est encore premier. Et aujourd'hui, le PSG te fait 1-1. Donc c'est bêtement aujourd'hui le 1 du Paris Saint-Germain, il pète. Parce que Paris Saint-Germain ne pouvait pas remporter son match. Et c'est tout. Il le remportait. De la semaine prochaine, au parc, t'es tranquille, tu mets 4-0, je sais pas, 3-0, 2-0. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout, paf, tu sors, allez. Donc voilà, aujourd'hui, bon, après, défensivement, on va parler, mais aujourd'hui, c'était merdique. Défensivement, aujourd'hui, on n'a pas été bon défensivement. Parce que défensivement, on s'est fait boire aujourd'hui. Défensivement, on s'est fait boire. Qu'est-ce que tu veux? Dites n'importe quel mot, mais aujourd'hui on s'est fait boire. Défensivement, on s'est fait boire, boire. Voilà, on s'est fait boire. Défensivement, on s'est fait emmerder, emmerder. On s'est fait juste emmerder. Défensivement, on s'est fait emmerder. Parce que défensivement, on laisse des espaces. Paf, on est trop avancé. Donc voilà. Voilà donc, j'espère que Galtier faut un peu serrer la ceinture. Et oh, Galtier, faut serrer un peu la ceinture. C'est toi l'entraîneur. Hein. C'est pas les joueurs l'entraîneur, c'est toi l'entraîneur. Tu dois serrer un peu la ceinture. Tu dois parler avec eux. En première mi-temps, tu dois parler avec eux. Tu dois parler avec eux. Les changements, on va en parler. Les changements, ils étaient pas bons. Tes changements, ils étaient trop tard. Et en plus, le changement de Messi, Sarabia, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment tu peux faire changer Messi, tu fais rentrer Sarabia alors que tu mènes 1-1. Normand, voilà. Voilà, normand, ça c'est pas bon. Voilà. Donc voilà. Là, Paris, on n'a pas d'attaquant droit, on n'a que Messi. Donc voilà, j'espère que là, Paris vont acheter un autre attaquant droit. Un défenseur. Donc, j'espère qu'au mercato d'hiver, ils vont acheter ces joueurs-là. Attaquant droit et défenseur. Parce qu'aujourd'hui, défensivement, aujourd'hui, on s'est fait boire. Défensivement, première mi-temps et deuxième, on s'est fait boire. On laisse des espaces. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup d'espace. Aujourd'hui, les défenseurs sont trop laissés, trop, trop d'espace. Il y avait une action de défenseur. Tu laisses l'espace et paf, tu laisses le couloir libre. Ça, c'est risqué. Donc voilà, faut travailler un peu. Là, j'espère que demain, faut tourner la page. Demain, je vous dis la vérité, à partir de demain, faut que Paris Saint-Germain tourne la page. Faut tourner la page. Aujourd'hui, tu as fait partie nulle. Demain, tu te remets au boulot. C'est logique. Demain, les Parisiens doivent se remettre au boulot. Directement. Ils se remettent au boulot directement. Donc voilà. Demain, ils reprennent l'entraînement. Ils ont entraînement demain. Bah, demain, faut se mettre au boulot direct. Hein. Donc voilà, faut se remettre au boulot. Hein. Voilà, parce que défensivement, première mi-temps et deuxième mi-temps, c'était pas bon. Hein. Défensivement, première mi-temps, on laisse des espaces. Même deuxième mi-temps, c'est pareil, on laisse la même chose. On laisse la même chose. Donc voilà, on laisse la même chose. Voilà, après, aujourd'hui, l'offensive, pareil, offensive, aujourd'hui, c'était bon. Hein. Offensive, ils ont essayé au moins. C'est l'offensive qui nous a apporté les choses. Et le gardien, en tout cas, très très bonne prestation de Donnarumma. Donnarumma a fait une très très bonne prestation aujourd'hui. Parce que les arrêts qu'il a fait, oh là là, ça nous a sauvé la vie. Hein. Parce que là, les gens, ceux qui regardent pas le match, ils vont dire, oh non, défensivement, on a été bon, on a été bon. Défensivement, on n'a pas été bon. On s'est fait emmerder. Aujourd'hui, on s'est fait emmerder, c'est tout. Là, j'ai pas envie. Voilà. Parce que là, on va me dire, oh non, t'es pas bon avec les joueurs. C'est la nouvelle direction de Monsieur Luis Campos. Et alors, oh, chaque chose a ses choses. Hein. C'est ça le foot. T'as fait. Mais après, c'est pas une question de direction. Mais on parle
d'entraîne, de coaching. Le coaching, il n'est pas bon. Le coaching de quartier n'a pas été réussi. Les changements. C'est quoi ces changements? Tu les fais tard. Tu les fais tard. Comment tu les fais tard? Je sais pas à combien t'es mis. Tu mènes 1-1, frérot. Tu mènes un partout. Tu mènes un partout. Normalement, tu fais tes changements avant, point barre. Moi, je veux rien savoir. Tu fais tes changements avant et c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Défensive, offensivement, c'était bon. Les Mendes, on espère qu'il n'est pas blessé. On a besoin de lui. Mardi ou mercredi, je pense. On joue mercredi ou mardi, je sais pas. Je pense qu'on joue plutôt mercredi, je ne sais pas. Donc voilà. Couloir gauche. Quand Bernat est rentré, on a laissé un peu d'espace. Bernat n'avait pas les jambes, il avait pas la balle. Il avait un peu. C'était un peu mou niveau balle, niveau ballon. Donc voilà. Voilà. Et homme du match aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'à partir de samedi, faut se remettre au boulot. À partir de demain. Moi, je vous explique quelque chose. Aujourd'hui, on a fait un 1. Aujourd'hui, on fait un 1. Demain, on retravaille. Galtier demain. Inch'Allah, tu retravailles. Tu retravailles avec tes joueurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Tu refais et c'est tout. Moi, c'est juste ça, je dis la vérité. Et c'est tout. Voilà. T'as juste à refaire et c'est tout, frérot. Donc, voilà, t'as juste à refaire. Galtier, tu refais à zéro. Tout à zéro. Tu retravailles, demain tu dois retravailler. Demain, l'entraînement, tu leur dis, hé, hey, faut se réveiller. Demain, faut. C'est ça ma communication. Hé, hey, demain, à partir de samedi, faut se réveiller. On a fait beaucoup de cadeaux. Donc voilà, c'est ça un entraîneur, c'est ça. C'est ça un entraîneur. Comme il a dit, on fait match nul ensemble. On fait match nul ensemble. On perd ensemble et on gagne ensemble. C'est ça, voilà. Mais on n'a pas perdu ensemble. On avait parti nul ensemble. Collectivement. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand tu mets ce match-là, aujourd'hui c'était bon offensivement, mais défensivement, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, quand tu me dis homme du match, je sais pas c'est qui, mais pour moi, homme du match, c'est Donnarumma. Donnarumma, aujourd'hui, a fait le taf. Hein. Sans lui, Donnarumma, on allait se faire taper des buts. Pour moi, c'est plutôt Donnarumma. Même Messi a bien joué. Donc voilà. Pour moi, c'est plus Donnarumma parce que Donnarumma, heureusement. Donc voilà. Et les changements Galtier, faut changer. Faut changer. Faut travailler. Faut changer des choses. Voilà. Bon, bah voilà, les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, voilà. On se retrouve vendredi, si Dieu le veut, Inch'Allah, pour l'avant-match. Donc voilà. On espère que là, samedi, il faut se réveiller. On joue à Reims. Hein. On joue à Reims. Galtier, on joue à Reims. On joue à Reims. Donc voilà, on joue à Reims samedi. Et faut se réveiller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Gat, j'espère qu'il se réveille. Donc, on se retrouve vendredi pour la vidéo. Là, c'est le débrief. Likez, commentez. Bye, bonne soirée. Allez, Paris, on espère qu'il gagne. Bye, bonne soirée. Et se remettre au boulot à partir de demain. Bonne soirée.